Bon, moi je range ça un peu. Attends, Patrice. Patrice, alors moi je suis quoi? Si demain tu gagnais un milliard au loto, tu ferais quoi? Si je gagnais un milliard au loto? Déjà, moi, déjà, je me ferais des études, des super études. C'est-à-dire? Avec un super appart. Une école commerciale et tout? Non, non, non. Un truc privé? Non. Un truc audiovisuel, tu vois, rien dans l'image et le son, quoi. Déjà, je me ferais des études d'ingénieur du son. Ensuite, je me ferais des études. Ah, mais ça passe. Je faisais astrophysique. Astronomie. Après. T'es un enfant, je t'en prie. Tu pourrais acheter des. Après. Après, tu vas aller dans les étoiles, ça? Après? Non, après, je m'achète une soucoupe volante. Ah, tu vas aller dans les étoiles? Non, non, soyons sérieux. Soyons sérieux. Si je gagne 3 millions de dollars. Et ça, c'était. Non, c'est combien, tu m'as dit? Non, 3 milliards de francs. 3 milliards de francs? Lourd. Lourd? Sans compter les intérêts. Bon, alors, 3 milliards de francs. 300 milliards de francs anciens, quoi. 300 milliards anciens. Bah, déjà, j'achète une maison à. J'achète une maison à mon frère. À ma reine. Ah, t'as un frère? Ouais, j'ai un frère. Il est quel âge? Il est plus jeune que toi ou plus vieux? Il est plus jeune ou plus vieux? Mon frère, c'est un gars, tu vois. Il est, d'abord, il est plus jeune que moi. En plus, il est pas comme moi. Il est complètement différent. C'est l'opposé. Il est sportif? Il est jeune? Ouais, d'abord, il est sportif. Ensuite, il est. Non, il est pas jeune. Il est très vieux d'esprit. C'est un ringard, quoi. Si on veut, c'est un ringard, mais en fait, c'est un gars. C'est un gars qui a envie d'assurer et qui a envie de se faire une petite vie. Tu vois, il a tracé sa vie, quoi. Il a... bon. Un Français parmi tant d'autres, quoi. Le même week-end, il y avait un festival. C'est un Français parmi tant d'autres, si tu veux. Si tu veux. Bon, enfin, bon, ce gars-là, en fait, il a décidé d'avoir tel diplôme et de faire telles études et vivre comme ça. Et d'avoir telle vie. Il a décidé d'avoir sa vie. Là, cette vie. Mais bon, on s'en fout de sa vie, de toute façon. C'est la tienne qui m'intéresse. C'est la tienne qui m'intéresse. Et bah, si c'est un mec qui t'intéresse, alors en fait, voilà. Allez, 3 millions de dollars. Non, 3 millions de dollars. Non, 3 milliards de francs. 3 milliards de francs, il y a des choses à faire. Déjà, tu vois, déjà, je fais tout ce qui me plaît. Premier truc qui me plairait, c'est de m'acheter une super baraque. Enfin, pas une super baraque, mais une baraque dans laquelle je pourrais me faire un studio. Un studio avec une boîte à rythme, une table de mixage, 2 sonos ou 3 sonos, peu importe. Des tas de mixage à fond, quoi. Et du matériel, tu vois. Du matériel. Et du matériel, tu vois, pour faire de la musique toute la journée jusqu'à la nuit et le lendemain. Moi, je suis là faire du surf aussi, j'ai oublié de dire. Mais ouais, ça serait pas loin de la place, parce que comme ça, on pourrait faire du surf, allez voir. Faut le dire, chacun son tour. Ah ouais, mais j'ai oublié, tu m'as pas. Et ensuite, tu vois, j'en ferai des choses à 3 milliards de francs. 3 milliards de francs, je mettrai de l'argent aux actions. J'achèterai une moto. Moi, j'achèterai une moto, Ariane, comme ça, elle pourrait se faire de la moto. Voilà. En plus. Ça serait bien. Après, je joue à de la basse, mais ça, j'ai pas besoin d'avoir du fric, parce que déjà, j'ai pas de fric. Alors, bon. Et alors, toi, je joue quand même. Ouais, bah, moi aussi, d'ailleurs. D'ailleurs, si vous voulez. D'ailleurs, je vous interprète un morceau. D'ailleurs, elle va vous interpréter un morceau. Un petit morceau, rien. Et moi, en fait, avec 3 milliards de francs, je m'achèterai un studio, comme je te disais tout à l'heure, je m'achèterai un studio avec du matos et tout, quoi. Parce qu'il faut faire de la bonne zikmu. Et comme ça, tu vois, je ferai de la zikmu toute la journée, toute la nuit. Et puis après aussi, je ferai pas que ça. Parce qu'avec 3 milliards de francs, il y aurait des choses à faire. Alors, tu vois, déjà, je m'achèterais une petite industrie qui est en pénurie, qui est dans la merde. Elle a un petit problème et tout. Moi, j'ai investi. Hop, je remets tout en état et je me fais du pognon. Comme ça, tu vois, mes 3 milliards de francs, je les récupère en 9 milliards de francs. Parce que ces enculés, là. Moi, je les fais travailler, tu vois. Et moi, je reste chez moi. Et moi, c'est moi le patron. Et j'ai un gérant. Parce que je bouge pas, moi. Moi, je reste chez moi. Et puis le mec, il fait tout. T'inquiète pas. Alors, tu vois, les 3 milliards de francs, là. Je m'achète une industrie, pétrolifère, si on veut. Et puis je m'achète un terrain où le mec il fait pousser des champignons, du maïs et de la betterave. Et bon, bref. Tu crois que ça marche, hein? Et ouais, je crois que ça marche. T'as jamais parlé des actions? T'as jamais entendu parler de ça? Faut avoir du pognon pour investir. Et ben justement, les 3 milliards de francs, j'investis, mon pote. C'est tout ce qui me manque. Hey, j'ai moi l'idée, il suffit d'avoir un peu de pognon et un petit jot, t'achètes des actions en banque, des actions en bourse, t'achètes des actions, t'achètes des industries qui sont dans la merde, bien sûr, t'attends qu'il y en ait un qui souffre, puis là t'investis, là tu mets un petit cacheté, un petit cacheton, et avec ça tu vois, tu fais du blé sans bouger, tu vas chez toi, et le blé il rentre, et toi il rentre en compte en banque, hein, en fait, tranquille. On change, non? Ouais, on va voir ailleurs. Cédric, ouais. Avec 3 milliards, tu ferais quoi, toi?
Bah, je te l'ai dit tout à l'heure. Vas-y, rappelle. Ben, tu vois. Alors, déjà. T'éviterais qu'on te filme, non? Hein? Ah, t'éviterais qu'on te filme. Parce que tu serais devenu une grande. Déjà, je m'achète une caméra. Vachement meilleure que la mienne. Ouais, ouais. Attends que je te vois.